Pendant que je suis en recharge solaire avec mon panneau solaire 110 watts sur la batterie EcoFlow River 2 Max. Donc là on est en exposition presque optimale parce qu'on a 100 watts de recharge presque. On est à 89. La batterie me dit que si ça reste comme ça, en 24 minutes, j'aurai les 10% manquants, les 11% manquants. On va aller installer une cabane à oiseaux dans l'arbre là-bas. Bon, maintenant il faut que je grimpe. Ça va être autre chose. Ça paraît pas comme ça, mais c'est assez abrupt. Est-ce que je vais être assez grand? Oh oui, c'est bon. Pour l'instant, je pose la cabane là. Je rappelle, hein, c'est moi qui l'ai fabriqué en découpe laser avec du contreplaqué de 3 mm. Après, j'ai pris de la ficelle et une pince. Hein, la pince que tout le monde connaît hein, chez les printers. J'ai coupé un bout généreux, genre 80 cm. Voilà. Et comme dans les belles vidéos, on plante la pince. Et il y a des trous dans le haut du toit pour passer la ficelle. Et ensuite, il suffit juste de l'attacher sur la branche. Comme ceci. On la met dans le bon sens quand même. Pour éviter qu'on se moque de nous. Voilà. Et voilà. Je peux récupérer ma pince aussi. Et ma ficelle. Bon, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, au bout de 10 minutes de recharge, on est à 93, on est à 89. On a gagné 4% en 10 minutes. Je sais qu'il y a quand même une possibilité d'optimiser un petit peu les panneaux solaires. Et là, on est sur un soleil d'hiver qui est vachement bas. Donc, je recommencerai le test en été pour voir si ça change quelque chose. Et maintenant, on va modéliser un petit mangeoir pour mettre des graines dans la cabane à oiseaux.